à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je suis passée à Noz. Ils ont des nouveaux sacs. Donc ils sont comme ceci. Vous avez la première face, le sac de madame. Et le deuxième, le sac de monsieur. Ils sont super sympas. Donc on commence avec un gommage pour le corps de la marque Core, qui se présente comme ceci. Voilà. C'est au thé blanc et au gingembre, si je ne me trompe pas. C'est un contenant de 200 ml. Voilà, que j'ai payé 80 centimes. Donc voilà. On continue avec ceci. C'est des lingettes pour le visage. Il y en a 25 à l'intérieur. Donc je ne sais pas si c'est la Essential Daily Care ou Sense Beauty, la marque. Qu'elle se présente comme ceci. Et je les ai payés 99 centimes. Ensuite, on continue avec ceci. Une petite trousse. Super sympa, avec un œil ouvert, un œil fermé. De l'autre côté, c'est la même chose. Voilà. Donc, c'est de la marque Bollyboom. Voilà. Que j'ai payé 85 centimes. C'est-à-dire pas grand-chose. On continue avec ceci. Donc, c'est du thé à l'eau de coco et au citron. Une petite bouteille comme ceci. Voilà. C'est un contenant de 330 ml. Je ne sais pas si on voit bien. Et j'ai payé ça. Hop. 49 centimes. Donc on va tester. On verra bien ce que ça donne. Ensuite, j'ai pris ceci de la marque Jacou. Ce sont des truffes en forme de petit cœur. Je ne sais pas si on voit bien. Il y a 100 grammes à l'intérieur. Voilà, que j'ai payé 1,10€. Donc on va tester ça. Par contre, chez Noz, il faut faire attention parce que les dates sur certains produits sont plus ou moins longues, plus ou moins courtes. Donc là, la date de péremption, c'est 31/01/2017. Donc je pense qu'après la vidéo, on va tester ça. Si je regarde en bas, c'est que dans le, j'ai le sac en bas. Donc hop, on prend les articles qu'il y a à l'intérieur. J'ai trouvé ceci. Des petits phosphores avec des petits papillons qui sont blancs en métal. Des petits papillons, des petites fleurs. C'est de la marque Butterfly Candle Holder Phosphore Papillon. Voilà, que j'ai payé 1,20€ chaque petit phosphore. Voilà, du coup j'en ai pris deux. On continue avec... Hop, ceci, c'est de la marque Evoluderm. C'est un exfoliant corps onctueux à la pêche. Il se présente comme ceci. Voilà. Dedans, il y a 200 ml. Et j'ai payé ça 2,50€. Donc, je vais tester. Je vous dirai ce que j'en pense. Ensuite, j'ai trouvé ceci. Donc, un petit vernis à ongles. Hop, qui est comme ceci. Donc c'est un marron clair. Je pense que la marque c'est Nail Début. Ça doit être quelque chose comme ça, vernis à ongles. Que j'ai payé, hop si je le mets à l'endroit ça serait mieux, 89 centimes. Ensuite j'ai pris ceci. Hop, pour ma fille. Donc à l'intérieur vous avez, on va l'ouvrir. Vous avez le petit serre-tête qui est rose fuchsia avec un petit nœud. Les élastiques noirs avec des petits nœuds. Et les petites barrettes. Donc à la base, ils étaient à 2,95€. Donc même pour 2,95€, c'est pas bien cher. Hein, les élastiques, les barrettes et le serre-tête. Et il y avait moins 60%. Donc du coup, je les ai payés, je crois, 85 centimes, quelque chose comme ça. Ensuite, on continue. J'ai trouvé ceci pour ma fille et mon fils. Donc pour ma fille, j'ai trouvé celui-là. Hop, mon livre à colorier scintillant fait des fleurs. Donc il se présente comme ceci. Super sympa aussi. À la base, il était à 4,95€. Je ne sais pas si on voit bien.
Voilà. Et il y avait moins 60% dessus aussi. Donc du coup, j'en ai profité. Donc vous avez, voilà, un petit coloriage comme ça. Et puis là, sur certaines pages, vous avez du rose ou du violet qui est brillant. Donc super sympa. Je pense qu'elle va être bien contente. Et pour mon fils, j'ai pris celui-là, mon grand rêve, vit la vie d'un footballeur, dessiné, colorié, collé, qui se présente comme ceci. Voilà, donc je l'ai payé, donc il était plutôt à 3,99€. Je ne sais pas si on voit. Et c'est pareil, je crois qu'il y avait moins 60%, donc du coup, j'en ai profité aussi. Donc sur celui-là, vous avez les autocollants, hop, pour colorier, pour dessiner. Donc voilà, donc j'espère qu'il sera content aussi. Bon, c'est la luminosité qui part, le soleil qui vient, qui part. Hop, et on va terminer par ceci. Hop, les bougies. Alors j'ai trouvé la grosse jarre, comme ceci, de la marque American Candle. Celle-ci, c'est la Australian Burry. Et je vous avouerai que l'odeur, elle sent super bon. Et je l'ai payé 5,99€. Voilà. Donc, parfait. Et pour terminer, j'ai trouvé ces deux petites bougies qui se présentent comme ceci. Hop. Voilà. Donc, il y en a une, c'est marqué « You make me dream ». Et l'autre, « Independent Republic of Love ». Hop, qui se présente comme ceci. Et comme ceci, dessus vous avez un, hop, un bouchon en liège. Et l'odeur, c'est pareil, ça sent super bon. Par contre, les odeurs des deux bougies sont différentes. Celle-ci, c'est plus vanille. Et l'autre, je pourrais pas trop vous dire l'odeur de celle-ci. Et je les ai payées 2,99€ chacune. Donc voilà. J'espère que ce petit haul Nose vous aura plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bye bye!